C'est là-bas. Je vais dire bonjour. Salut, bien et toi? Bienvenue madame, je suis très heureuse de vous accueillir. On accueille un nouveau cinéaste, Mehdi Sharef. Vous pouvez l'applaudir. Le film que vous allez voir, c'est une autobiographie. J'ai commencé à me poser des questions sur mes copains en Algérie, ceux que j'avais quittés, que j'avais jamais revus. Je pensais à notre enfance, parce que c'est quand même 10 ans qu'on a passé ensemble. Je parle des Français et des Algériens. Et puis je me disais peut-être qu'un jour je ferai un film. Malheureusement, le film que j'ai fait, c'est sur la guerre, quoi. J'aurais bien voulu retrouver ces enfants dans tant de paix, que ce soit un film sur ces enfants, mais qu'il n'y avait pas de guerre. Mais malheureusement, il y avait la guerre. Ben, bon projection, et puis à tout à l'heure. Je remercie mon Catherine, c'est grâce à Catherine et Elias Kina, et par la liste, on peut organiser ce genre d'événement. Très, 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 très heureux d'enfin pouvoir vivre ensemble cette première masterclass. Bonne projection. Quel conseil, pour conclure, tu pourrais donner à ces jeunes qui veulent faire du cinéma? Il faut créer un monde à soi. Il faut créer un univers des gens que tu as connus, des gens que tu as rencontrés, qui t'ont ému, qui t'ont fait pleurer ou t'ont fait rire, mais qui n'ont pas le droit à la parole. C'est des gens que tu croises et t'en fais qu'un. Ouais, tu as plein d'exemples sur plusieurs hommes, sur plusieurs femmes, et tu fais que des personnages, un homme et une femme. Et tu racontes ta petite histoire.